Bonjour à tous et à toutes, c'est Garnick et aujourd'hui je vous retrouve pour le quatrième épisode du projet BSA saison 2. Je suis en compagnie de Greyfox62 qui est équipé et un petit peu brillant. Salut Greyfox. Salut à tous. Et oui, aujourd'hui on a sorti un petit peu d'armure parce qu'aujourd'hui on va dans le Nether. Alors, musique dramatique. Oui. Mais comment on n'a pas de budget? Bah non. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit que dans mes séries en général je restais enfermé et que j'envoyais les autres prendre les risques. Alors aujourd'hui je vais aller dans le... Ce qui est vrai, hein, je revendique. Mais c'est carrément vrai, vous je avez revendique bien raison. Haut et fort. Ils nous envoient tout le temps au casse-pipe, dans la lave, dans ce que vous voulez, dans l'end. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller dans le Nether avec Greyfox. L'objectif étant de trouver un énorme... Oh, Dark Vador. Olé, hey. Je jongle avec des épées. Donc oui, je disais, l'objectif c'est de trouver un énorme spawn de lave, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de lave très bientôt. Et si possible une forteresse du Nether. Et je pense que si déjà on a ça, on saura bien, on pourra viser après. Si on a le temps, si ça va assez vite, on attaquera un petit peu Industrial Craft. Mais pour l'instant, l'objectif c'est d'aller sur une autre planète. Parce que nous, on préfère parler de planète. Greyfox, es-tu prêt? J'ai juste vu qu'on pouvait se faire une flèche, alors attends. Ah, t'as pris le dernier fling qui traînait? Ouais, c'est pas grave. Ouais, alors je sais pas si j'avais le droit, c'est mais... comme ça, ouais. Sauf que t'as inversé, voilà. Oh, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Oui, parce que Kidinezer dit... Ghast. Alors, j'ai continué un petit peu le couloir, caméra, mais comme d'habitude, c'est que du temporaire à la cobble, donc... Rien de bien spécial, je crois que j'avais rajouté ça par rapport à la dernière fois. J'ai vite fait avant qu'on parte enchanter mon arc parce qu'il y a un petit power 1 ou 2, ça... je crache pas dessus. Ah, ça peut pas faire de mal, hein, power j'ai un petit 1. Ah, mince, j'ai mis que 2 niveaux dessus. Bon, ça pourra pas. Power 1, c'est déjà bien pratique. Greyfox, où tu es? J'arrive. Je t'attends dans la petite capsule. C'est bon. Alors, le portail, on l'avait fait côté planète Terre. Voilà. On l'avait fait ici, c'était BX qui l'avait fait, il l'avait fait... Ah, ouloulou, attends. On va prendre un briquet. Non mais carrément. Ouais, vas-y, je t'attends. Ouais. Tu peux dormir dans le lit si tu veux faire passer la nuit dans ce monde-là. Ah oui, ça peut être utile. Oui, je vais prendre un briquet parce que... Ah oui, mais tu viens de prendre le dernier flint. Greyfox est un boulet, c'est ça? Bah, Greyfox est un boulet. Ah, attends, Greyfox va te trouver du gravier. Je crois que j'en avais ici... Oui, ouais, j'en ai ici. C'est bon, j'ai du gravier en visu, mais si tu veux... Non, c'est bon, j'en ai, il faut juste que... Faut juste que ça me donne un flint. Ah, mais je suis bête. Bah, c'est bon, j'en ai eu un flint. On peut le mettre dans le pulvériseur pour en avoir un coup sûr. Bon, c'est pas grave. Voilà. À mon avis, c'est BX qui a dû garder son briquet sur lui, comme toujours. Il fait toujours des trucs intéressants, mais il les garde sur lui. Donc ça fait que quand il est pas là, eh ben on peut pas s'en servir. Voilà, c'est exactement ça. Donc aussi, je vais déposer mon casque, parce que dans cet état-là, le casque il donne pas beaucoup d'armure, même pas du tout. Attends, si tu es dans le module, est-ce que tu peux me ramener de la cobble? Ouais, j'en ai pris un peu pour moi, je vais t'en ramener un aussi. Ouais, parce que c'est voilà, toujours utile. Évite. Ouais, et carrément. Parce que je sens que le spawn va être encore une fois très avantageux pour nous. Je crois que BX avait juste généré le Nether et il avait dit que c'était pas dégueulasse à première vue. Bon. Ok. T'es prêt? Allez, bon voyage. Ah, Siri va rentrer. Pouf! Et pouf de la sandstone! Et pouf de la sandstone! Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre un marqueur si je retrouve Waypoint. Ajouter. Portail. Ah oui, portail, oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, ça reste du classique. Alors, l'objectif, je le répète, trouver beaucoup de lave et trouver une forteresse du Nether. Ouais. Je vais te dire. Je crois que le beaucoup de lave, en fait, faut juste regarder sous nos pieds. Ouais. Parce que là, on a un très joli lac de lave. Parce qu'il y en a alors, beaucoup. Alors, par contre, la forteresse. Ah, il y en a pas mal, hein. Ah, mais alors, par contre, la forteresse, je sais pas. C'est un petit lac ça, Greyfox. Ouais, mais c'est un petit lac pour commencer quand même, tu vois. T'as l'avantage, ça a l'avantage de pas être trop loin du. Ouais, on va essayer d'en trouver un autre et sinon on reviendra prendre celui-ci. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté deux bouquins pour pouvoir faire des linking books pour pouvoir plus tard faire des portails. Greyfox, tu vois ce que je vois?
Je Un vois pigmen qui pas ce essaye que de tu vois. remonter dans la lave. Ah, t'es pas avec moi. Non. Il y a un pigmen qui essaye de remonter dans la lave, il est con, il crame du coup. On s'est déjà paumé. Ah ouais, non, mais c'est les pigmen. Tu t'es mis un... Comment ça s'appelle un... Waypoint, pas du tout. Ah, bon bah reviens te mettre un waypoint avant de te paumer. C'est normal que Res Minimap Oui, parce me... que il affiche la surface et la surface c'est que de la bedrock donc. Ah, d'accord. Ah, là je vois un autre lac de lave qui m'a l'air plus Alors. grand ou pas plus grand. Je commence à entendre des gasts, ça me fait un peu flipper. Problème, c'est que je sais pas du tout où tu es parti, Je suis parti de les l'autre spots. côté, donc bah reviens vers le portail et je viens te choper au passage. Bah là, je suis au portail. Ben viens vers moi. Je suis en train de remonter. Tu l'as. Ah, ok. Alors, j'ai vu un énorme lac de lave. Enfin, j'ai l'impression que c'est deux lacs de lave. Je vais essayer de voir si c'est un seul lac. Si c'est un seul lac, ce serait cool. Parce que là, du coup, on en aurait beaucoup. Puis on aurait un point central. Ce qui est parfait pour ce que je veux en faire. Oh, pas mal. Ça m'a l'air d'être un seul énorme lac. Hein. Ah ouais, non mais là c'est même plus un lac, c'est une... Oh, en fait, c'est géant. C'est un océan, attends, le truc est super grand, hein. Je suis en distance phare et j'en vois pas le bout. Ok, bon. Je pense qu'on a trouvé la lave. Donc, ce que je Voilà, vais donc faire, c'est là, que... c'est fait. Je vais venir me mettre ici. Donc là, je suis au-dessus, je pense, si je dis pas de bêtises. T'es carrément au-dessus, ouais. Je suis juste au-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais Tu peux mettre. plonger, hein. Non, non, un autre waypoint et je vais l'ajouter. Je vais marquer lave. Voilà. Ouais, il est Et pas mal grand, hein, je vais aussi franchement. crafter un linking book. Donc, ce linking book permettra de se téléporter à cet endroit-là. Ok, donc, premier objectif atteint avec succès, mon tigre Fox. Il faudrait trouver Ouais. une forteresse du Nether. Là, ce serait l'idéal. Bah, ça serait bien de continuer par là. Bah oui, je te suis. Donc là, je vois de la lave qui est actualisée, du coup, qui se met à couler. Ah oui, je la vois aussi. Tout ce qui est glowstone, on n'a pas besoin d'en récupérer puisqu'on en a dans le monde d'Igger One. On a l'avantage d'avoir un monde un peu cristallin. Tout à Avec des fait, un monde cristaux. brillant. On a un petit peu tout ce qu'il faut en surface. Et on a commencé à pas mal miner d'ailleurs dans ce monde-là, hors caméra. Je vous ferai voir très bientôt, je pense. Si deux ou trois épisodes. Alors, bon, en tout cas, ça continue par là. Tant que Ouais, mon bah Minecraft allons-y. charge, je sais même pas où je mets les pieds, hein. Je saute dans le vent. Sérieux? Ah ouais, c'est super dangereux. Et ouais, t'as pas peur, hein? Oh. Que là, à ta Bon, là, je vois droite, de la il y a un lumière, donc je trou. pense que je vais arrêter. Ouais. Viens sur la gauche, ça continue par là. Ouh, c'est beau ici. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une petite forteresse, s'il vous plaît? Je pense que... Ouais. Alors, ça a un Après, peu si de ça mal à coûte un peu... charger, moi. Il y a quoi par là-bas? Bah, c'est un peu triché, mais au moins, ça permet de voir à travers les blocs. Et il y en On a est pas. à même pas 300 Ah mètres du si, portail. forteresse, Oh, ta-da-ta-da! tadadadam. Pour une fois qu'on a un bon nether, elle est où? Ah, elle est là, en dessous. Et en dessous, ouais. On va essayer de descendre. Pour une fois qu'on a un très bon nether. Alors, ça sera pas par là. On va faire le Ouais, tour. on va refaire le tour. Vas-y, je te laisse passer, je vais m'en... Non, on peut descendre par là-bas sinon. Je te suis. Par là. Ça On n'a va pas aller. croisé de ghast, hein. On les entend, mais j'en ai pas vu. Ah, j'en entends aussi. Ouais, je crois qu'on va aller plutôt par là tout de suite. Ouais, on peut aller là en creusant directement sur un petit escalier. Bon, allez, c'est parti. Vas-y, je te suis. Alors, j'avance doucement parce que vous vous rappelez, hein, dans. Je crois que c'était dans le projet BSA, là, le tout premier projet BSA, oui, il me semble. Je Oui, tu creusais, dis. je parlais, et puis. Non! Magnifiquement tombé dans la lave. Ah, il me met des miettes dessus. Ouais. Bon, Alors. bah c'est bien ça. Bah oui. Bah du coup on creuse. Allez. Chérie, je suis rentré. Sais qu'il y a des... Il y a des petits puits de lave qui sont dans les... Reste, tu vois, avec la chance qu'on a, tout recroisé, tu serais tombé en plein dedans. Oh, bah là, il y a l'air d'avoir de la lave juste au-dessus, donc on va éviter de creuser ça. Ok, il y a plein de chemins différents. Alors maintenant, les verrues du Nether, on peut les faire. On peut les cultiver dans l'Overworld, enfin dans les mondes normaux. Donc si jamais on en voit, tu prends tout. Ça pourrait nous servir éventuellement pour d'autres constructions plus tard. D'accord. Même si pour les modes Ah, industriels, je sais plus si ça a une utilité. qui est bloqué. Donc si on trouve un spawner de blaze, je mettrai le
le téléporteur ici, ouais, enfin le. Mince, comment ça s'appelle? Le Le linking linky? book, ouais, voilà. Non, là, y'a que dalle. Faut juste qu'on trouve ça. Spawner de Blaze. C'est ça, par contre, on va en avoir besoin. Hein? Y'a rien, rien. C'est toi qui as creusé ça comme ça, là? Ouais, bah oui, je pensais que ça allait continuer ou qu'on allait avoir un autre truc, mais. Ouais. Que dalle! Alors. Ça fait peur, lui! Un squelette! Des squelettes noirs, là? Ouais, les Wither squelettes, là, je sais pas quoi. Faire attention, ceux-là, ils collent des... un poison bizarre, tu vois, plus t'es vite. Ouais, ils m'ont empoisonné. Ah, dis donc, on a une forteresse, mais on a pas ce qu'il nous faut dedans. Alors, attends, ça continue par là. Je sais pas si tu me suis. Non, je te vois pas. Fais demi-tour, ça continue, c'était juste un peu... C'était bloqué par un peu de... Attends, je te vois plus. Coco, demi-tour. Alors, j'ai déjà tué toutes mes pioches. Ah bah voilà. Les vivres du Nether. Ah bah les vivres du Nether, à nous. Donc ouais, on peut les faire spawner, mais il faut récupérer... Bah, on récupère le... La Soul Sand. Bah attends, ouais. La Soul Sand. Bah oui, c'est sur... ça pousse sur la Soul Sand. Ouais, bah attends, enfin, ouais, bon, tu sais quoi, on en prendra au retour. Hein. Bah, je ouais, petit... Je suis en train de les prendre, moi. Non, j'ai pas un gros... un Wither, pas du tout. Un machin. Un Blaze. Un Ghast. Un Ghast, ouais. T'es où, ma drone? Ah. Alors fais gaffe, on a pas beaucoup de flèches. C'est bon. Une flèche, ça va cramer. Oula, alors attends, il y a un bout de forteresse, ça continue par là. Oui, la cobble. J'explore, hein, j'explore. Bah, je suis pas loin derrière toi. Ouh, il y a la lave, je vais y sauter dedans. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il y avait de la cobble. Alors, peut-être que là, si ça redescend après. Est-ce que ah ce ouais, serait un gas? Il y a un blaze, le truc cool. Là-bas. Je crois qu'il y a un blaze là-bas, ouais. Attends-moi, Grefox. Ah, c'est carrément ça, ouais. Par contre, il y a un gas. Mmh. Ah, c'est carrément à l'air libre, ce truc. Cours, Garnick! C'est bon, il s'est mis derrière une colline. Ah, spawner de blaze. Et puis, il y a aussi un gros slime. Shoot-le. Non, je suis con, je vais garder mes flèches un peu. Il me reste deux flèches. Youpi. Ah, donc ça spawn, bah voilà. Par contre, j'ai plus de torches, t'as des torches? Non! Oh, pardon. J'en ai pas du tout non plus. Oh, c'est pas super grave, hein. Bah, c'était pour pas que ça spawn, justement. Bah, tu sais quoi, ici, ça a l'air. Bah, tu sais quoi, t'entoures le spawner? Ah non, ça va quand même pop. Ouais, ça va pop autour. Ah, ici, c'est cool. Ouais, attends, par contre, c'est cool, mais là, ils sont pleins en train de me tirer dessus, toi aussi. Bon, aïe. Ici j'ai plutôt l'air d'être tranquille, donc je vais mettre le deuxième linking book. Par contre, je sais pas comment les différencier, mais ça fait rien. Ah retrait tactique. Non, on se fait bombarder. Je suis tombé, je sais pas où. Hey, y a deux spawners. C'est cool. Y'a un gars qui est mort là? Non, il a eu de la chance, j'ai loupé. Alors Grefog, j'ai mis mon point, j'ai mis mon truc, j'ai tout ce qu'il faut, on peut se barrer. Et bah barrons-nous vite parce que... Je sais plus par où c'était. Tu vois, en face de toi, y'a un deuxième spawner. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Par contre, c'est blindé, allez, cassos. C'était par où? C'était par là. Mon dieu, pour une fois que c'est moi qui guide Garnick. On est paumé. J'en profite. Ouais, c'est bon, je resitue. Attention à la lave, hein. Oh mon dieu. C'est bon. Attention au puits de lave. Ouais. Hop. Je crois que ça remonte juste après. Bah dis donc, ouais, on a quand même de la chance sur ce Nether. Hein. Bon, on a un peu cherché, on a trouvé le portail, ouais, c'est plutôt cool. Alors, par contre, il est là. Je suis pas sûr que ce soit essayons... par là. Non, mais c'est pas grave si. Non, c'est par là-bas. Si ça sort. Ouais, mais c'est pas grave si ça sort à l'air libre après. Bon, tu sais quoi, on se rejoint au. Je crois que c'était par là. Wow! Saleté. Allez, tiens-moi dessus. On va peut-être dû rester avec Grefos. Bon, moi, tu sais quoi, j'ai une sortie, hein. Ah! Voilà. Sortie magique! Attends-moi, je suis paumé, moi. C'est pas grave, t'as le waypoint sur le portail.
Ouais, je Donc le waypoint, mais... vas-y comme un bourrin, essaye de sortir quoi. Allez, bah tu vois où t'es? Ouais. Voilà. Tu vas tout droit. Ah Tu t'arrêtes pas. Il est fou ce type. C'est pas grave. Ah T'es stuffé. Oui, il y a aussi un gaz qui me tire dessus. Hop, on fait, descend. Mais super cher. Et on est bloqué, zut. Faut remonter là, ouais, faut remonter là, de là on peut rien. Ah, je brûle. Aïe. Aïe. C'est pas bon, monté. Le gaz il a l'air de vouloir. Ah non mais là il me il m'adore mais. Kanik, où tu es? Je suis en train de remonter. Aïe. D'accord, ouais. Je suis là c'est toi qui m'en parle. Vas-y, attends, je vais la tirer. Youhou, monsieur le gaz. C'est bon, ça marche. En plus, il brûle ce coup. Ouch. Yeah, je l'ai eu. Oh merde, j'ai tapé un. Oh non, 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 non. Oh non, non. J'ai tapé un pigman, j'ai tapé un pigman. Ah, bah, tu l'es. Tu l'es tu ou tu te sauves? Tu te sauves. Non, je monte. Moi, j'ai peut-être. Ouais. Regarde-moi ça, c'est horrible. La dernière fois que c'est remonté, c'était ici. D'accord. Ah oui, ça y est, je reconnais le petit pont, ouais. Attends, donc, je si tu viens par là, et... tu vas les tuer? Bah, je suis un peu obligé là. Enfin, là, là c'est bon, il y en a que deux qui sont restés là. Moi, je suis en train de remonter, faire un escalier pour remonter. Attends, je vais essayer de passer comme ça. Du coup, ils vont me suivre, ils vont peut-être tomber ces crétins. Ah non, ils font le tour. Ah non, ils sont retrouvés. Hop là. Les heures, c'est toujours aussi dangereux. C'est toujours une grande aventure, hein. On a beau être préparé. Oh, t'es remonté quoi? Pourquoi mon gars lui? J'ai fait un escalier à l'arrache. Attends, vas-y, je suis en train de redescendre, tu vois pas mon pseudo là? Non, mais attends, mais pareil, je vais faire pas. Ah zut, il faut que je remonte du coup. Là. Aïe aïe! Il y a des pigmen en haut, en fait, je sais pas si ils vont t'agresser. Si. Il y en a un, c'est un malade, hein. Il a voulu sauter. Il est tombé, mais dans son saut, il m'a vu, il m'a quand même mis une pichenette. Pas mal. Alors, par là, le portail il est par là. Tu es où, Grafox? Attends, je remonte. Je m'équipe de mon épée, quand il y aurait des pigmen qui voudraient rentrer. Je te vois. Ah ouais, ils veulent tous lancer. Il y en a un, bon, c'est pas grave. Vas-y, on court, on s'arrête pas. J'ai des fans qui me suivent. Oh bah, il y en a encore devant nous. Non, non, mais eux c'est bon en fait, c'est sur une zone qui t'attaque. Je pensais que c'était un peu tout le monde du coup. Non, 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 ça serait horrible, t'imagines tous les pigmen du Nether qui veulent te bouffer. Y'en a un qui. Non, c'est bon, y'en a un, il a arrêté de me courser. Okay. Ouais, c'était par là. Non, pas par là. Et bip. En tout cas. C'est par là, ouais. On était passé derrière ça, ouais. J'ai encore le weapon de la lave. Du grand lac de lave. Ouais, c'est bon, on était passé là, il y avait la glowstone. Ouais. C'est bon, on est bon. Maison. Ouais, maison. Ah ouais. Un dernier. Pas tout de suite. Dernier... comment on passe? Maîtresse des flèches, bah vas-y, vite ça fait. Vous ne passerez pas! Oh non, c'est ma dernière flèche! Ah. Ah bah fais-nous un escalier ou je sais pas trop comment on va se débrouiller mais là faut se planquer là. Bah viens, descends par là en fait. On est arrivé de où? Aouh! Je suis paumé! Attends. Là y'a la. Si, si, on venait de là, Garnick! The Fox? Follow me! Je te vois pas. Là, je suis là! Ah, je te vois. Derrière toi! Descends par là. Voilà. Ah oui. Par contre, cours! Ouais. Cours! Ah, oh, en plein dans ma poire. Eh bah ouais, du coup. Purée, il m'a fait peur lui. C'est bon, le portail il est bien par là. Ah. Allez, plus vite. Oh mon dieu. Aïe aïe. Allez. Il y en a un deuxième. Oh, tu te l'es bien pris celui-là. Ouais, celui-là, ouais, j'ai bien pris dans les fesses. En plus. Du coup, ça m'a fait avancer plus vite. Et on peut sprinter en fait quand on est bloqué dans la sourcène. Ouais, mais on sprint pas super vite. Ouais, mais tu sprints et tu restes assis. Tu restes assis. Ouais. Tu restes appuyé sur espace et du coup t'avances quand même pas mal.
Allez, on rentre à la maison. T'es là? Ouais. Tu voulais qu'on récolte un peu de... Soupçonne? Non, on reviendra. Bah, il y en a au pied du portail. Phew! Facile! Easy, c'était easy! Oh oh! Il y a un pote à toi, Fox. Ah, d'accord. Eh oui, ils peuvent traverser les portails. Ouais, ouais, ouais. Allez, on repart à B, ça. Je remets mon petit casque. On remonte en haut. Ça, c'est du brun pour l'instant. Yo. Mets ça là-dedans. Ça aussi... Ah oh, bah, il y avait un briquet là, en fait. Eh bah, ben, voilà. Bix, n'était pas si bête que ça. Ah, j'ai trouvé un disque de musique. C'est moi, non, j'en ai cru, mais c'est moi qui l'ai fait. J'ai été tué du monstre et j'ai. D'accord. J'ai fait en sorte d'en crafter. Bon, et ben on s'en est plutôt bien sorti. Hein. Ouais, ça va, je trouve. Alors donc, à quoi va nous servir cette lave? Simplement parce que pour le début, j'aimerais bien qu'on alimente notre base avec de la lave, tout simplement, dans un premier temps. Et pour ce faire, je vais vous faire voir ce que j'ai préparé en dessous, qui est le futur centre de tri. Alors j'ai mis les moteurs, les deux moteurs ici. Donc on en avait trois pendant un moment, mais on en a fait péter un. Je sais plus si on vous l'avait dit. Parce qu'en fait, quand on les laisse allumer trop longtemps, ça finit par exploser. Ouais. Ici, ça va être le centre de tri. Là, ça va être le point d'entrée du centre de tri, ce coffre ici. Ici, on aura une machine. Mais je l'avais déjà expliqué à l'épisode précédent. Ici, on a tout un... Une ligne de pulvériseur et de four, c'est ce qui va faire le process des ressources. Mmh. Et ici j'ai le colcoque qui travaille encore, c'est bon ça. Et donc quelque part ici je pense, on va faire l'alimentation avec de la lave. Donc on verra à partir des prochains épisodes, on s'attachera à ramener la lave ici et s'en servir pour s'alimenter tout simplement. Je vois que Grifox est d'accord avec moi. Ah ben tout à fait. Donc il reste un petit peu de temps. Il nous reste... Ouais, ça fait que 20 minutes. On fait des épisodes un peu plus longs maintenant. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est avancer un peu dans Industrial Craft. Alors précédemment, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un générateur qui alimentait directement l'extracteur. Là, on va petit à petit rajouter d'autres machines. Donc il va nous falloir plus de courant et on va pouvoir aussi stocker du courant dans des unités de stockage, tout simplement. Et la première qu'on peut faire, ça s'appelle la Bat Box. La Bat Box, comme ça. Donc pour la crafter, il faut 3 batteries, un câble et du bois. Donc on va pouvoir faire ça. 3 batteries, un câble, bah j'ai tout pile ce qu'il faut. Donc du bois. Comment ça s'appelle? Cette project table. Project ici. Table, ouais. Ok, ça marche. Donc il va... À quoi je peux être utile, mon petit Garnica? À quoi tu peux m'être utile? Donc... Qu'est-ce qu'il serait bien que tu fasses? J'ai miné. Miné, oui, si tu veux, tu peux toujours y aller si tu t'es chaud. Sinon, tu pouvais faire un... ça va faire du spoil pour la suite aussi. Ah! Bah ouais, c'est... Écoute, tu peux toujours me le dire sur Skype, hein, c'est pas un problème. Ah, bah oui. Alors il faudrait que... Nous sommes fourbes. Il faudrait que tu craftes cette bestiole-là. Attends, je te le dis sur Skype, il faut que je retrouve comment on fait. Hop, Skype. Et comme un crétin, je vais dire le nom tout haut. Ah d'accord, alors comment on fait un machin chouette? Fais-en au moins un. D'accord. Les fourbes. Et moi, je vais faire ma bad box. Et pour ça, il me fallait... de la redstone pour faire les batteries. Donc, 3 batteries, un câble qui est resté ici, c'est parfait, et un peu de bois. Deux, il m'en manque un. Voilà, boum, on a ici une bad box. Et en fait, il va me refaire d'autres câbles quand même, puisque vous allez voir que ça va être très utile. Garnick, j'ai un petit bug. Oui. Je n'ai plus ENI. Quand tu appuies sur la touche O, il s'ouvre plus. Fais option et retire ton cheat mode. Pardon? Non, mais par défaut, t'es en cheat mode, donc si t'y as pas touché, t'es peut-être encore en cheat mode.
trucs. Alors attends, c'est où déjà? En bas à gauche, t'as Mort. option et après, c'est truc en haut à droite, faut que t'es en cheat mode, faut que tu te mettes en récip mode. C'est Alors pas dans attends, les attends. options du jeu, hein, c'est quand tu ouvres ton inventaire. Ouais, il y a le petit truc. More option, non? Non, c'est option. Bah, moi je l'ai même pas, mort option. C'est vraiment quand t'es dans ton interface, ton inventaire, hein, c'est pas dans les Oui, options du jeu. les trois petits points. J'ai pas trop petits points. Quand t'as ton inventaire, t'as ta zone de craft. Ah non, c'est pas ça les trois petits points. C'est quand t'as ton inventaire là, t'appuies sur la touche O. Ah d'accord, mais tu vois, mais j'étais même pas au courant en fait que. Non, mais c'est bon, du coup j'ai béni. Ah d'accord, tu savais pas qu'on pouvait le cacher en fait. Ouais. Voilà. Donc du coup, je peux taper le. Non. D'accord, eh ben dis donc. Je sais, c'est pas très dur à crafter, je crois. Non, non, ça va, mais. Alors la bad box, vous allez tout de suite D'accord. comprendre pourquoi je la craft, je la pose de ce sens-là. Vous voyez qu'ici il y a un petit point. Le petit point, ça indique tout simplement sa sortie. Donc si je vous fais voir les autres faces, ici vous voyez qu'on n'a pas ce petit point que je viens de vous faire voir. Donc le petit point, c'est la sortie de la bad box. Tous les autres faces sont des entrées. Donc là par exemple, si je colle le générateur et que je mets du charbon dedans, ça va être transféré dans la bad box, puisque sur le côté c'est une entrée. Et vous voyez ici, la bad box peut stocker jusqu'à 40 000 EU et a une sortie de 32 EU par tick, ça on verra ça plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut en stocker jusqu'à 40 000. Et on avait fait à l'épisode précédent, on avait installé ici le coke oven exprès pour générer du coal coke, qui va nous permettre de générer plus d'électricité. Donc on va s'en servir tout de suite. Boum, si je l'envoie dedans, vous voyez que là ici ça ne se charge pas puisque ça se charge là-dedans. Et on a une première source d'électricité plutôt pas mal. Alors vous voyez ici que l'extracteur n'a pas d'électricité, tout simplement parce qu'il n'est pas connecté à la sortie de la bad box. Donc la bad box ne lui envoie pas de courant. Et c'est pour ça que j'avais crafté quelques câbles en plus. Là je peux. Enfin les câbles qu'on utilise d'habitude pour faire les crafts, on peut aussi les poser. Et du coup si je le colle à cette machine, vous voyez que la machine maintenant a de l'électricité. Et je pourrais l'envoyer sur d'autres machines par la suite qu'on craftera dans les épisodes futurs. La fois que tu t'en sors avec le. Ouais, si, si, oui, ça. Il y avait un minerai. Enfin, une. Enfin, bref, je peux pas en dire. Je peux pas en dire trop, mais. Oui. Voilà quoi. Et je découvre 2-3 trucs en même temps, c'est bien. Ok, donc on en est à bientôt 30 minutes, donc on va s'arrêter là pour ce quatrième épisode du projet BSA. On a une source d'électricité Industrial Craft, ça va bientôt nous servir, parce que Industrial Craft on s'en sert quand même beaucoup. On craftera bientôt d'autres machines pour Industrial Craft. Et voilà, donc le coal coke qui génère beaucoup plus d'électricité que. Donc 16 KEU au lieu de 4, donc 4 fois plus. Oui, c'est plutôt pas mal. Surtout que pour en faire, il suffit juste d'attendre, en fait, il suffit juste de transformer du charbon et enfin de mettre du charbon dans le coke oven, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Cocoven, je suis désolé, mais dès que j'entends ce mot, ça me fait penser à Cocovin et. Enfin C'est bref. pas pareil, c'est pas pour C'est le pas charbon. pareil. C'est pas très comestible. Oui. Donc, mon petit Grefox, on va arrêter là pour Oui. ce quatrième épisode. Je te Oui. remercie d'être venu avec moi dans le Nether. Bah c'est un Ça plaisir, fait on a toujours failli un petit peu mourir. Et. d'action. Bah oui, bah il y en faut, il en faut. Il en faut, ouais, tout à fait. Bah Il en faut en effet. Bon, eh ben on vous remercie d'avoir regardé ce quatrième épisode. Je vais arrêter de parler avant de dire parce que j'y arrive plus de toute façon. Et on vous dit à la prochaine et salut à tous. salut à tous.